vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 22 février. J'ai passé ma commande le lundi parce que c'était disponible alors que c'était en rupture et je l'ai reçu aujourd'hui, donc le 22, en mondial relais. Donc, si je vous montre l'emballage, vous allez comprendre tout de suite pour celles qui l'ont reçu. Alors, je vais ouvrir parce que je n'ai pas barbouillé mon adresse. Donc, je vais ouvrir comme ça. Voilà. Et comme ça. Je pensais que j'allais recevoir différemment, en fait. Ouh ! Ouh ! Il y a des petits cadeaux. J'ai des petits cadeaux. Alors, j'avais déjà vu beaucoup de vidéos là-dessus. Et vu que le point de croix, j'adore, alors que le diamond painting aura loi, il ne fallait pas je voulais pas m'entendre parler. Et par contre, au niveau point de croix, ben écoutez, j'ai craqué. Et donc, elle était redisponible. Et donc, j'ai choisi celle-ci, donc qui est de Maud Lamoine, qui s'appelle « Entre le crépuscule et l'aube ». Alors, il y a Jana, voilà, qui va venir. Forcément, il y a un carton. Voilà, tiens, je te donne le carton, là, viens, regarde, hop, voilà, j'ai mis le carton, allez, va chercher le carton, voilà. Et donc, eh bien, moi, il me tardait, mais quand j'ai vu sur la chaîne de Clara d'Épée qu'il y avait 79 couleurs, ça m'a estomaqué, je me suis dit, mon Dieu. Alors, c'est du 11CT, la taille, c'est un 40 par 60, Jana, arrête de te frotter au téléphone. Et voilà. Donc, je vais quand même, avant d'ouvrir ça, je suis allée ouvrir en bas parce que j'ai la place, puisque la toile est grande. Alors, il y a des petits cadeaux de la part d'Oraloa, ma foi, on va voir. Parce que je ne vais pas rabâcher mon histoire, que j'étais ambassadrice, il s'est passé des choses et des pressions, et je ne le suis plus, et voilà, je ne commandais pas de Oraloa. Mais là, en point de croix, ben, j'ai craqué. Alors, c'est quoi toutes ces bêtises-là? Alors, c'est des stickers, on dirait. Ça, ça doit être un magnète. Ça, c'est stickers. Ça, ce sont des cartes. Alors, c'est peut-être pour jouer au jeu des sept familles, je sais pas. Oraloa, oui, ben, je sais pas. Là, c'est quoi? Est-ce que c'est un aimant peut-être? Je ne sais pas. Ça, c'est mignon, la petite tortue. Elle est mignonne. C'est une toute petite tortue, regardez. Toute rikiki. J'ai une petite fleur. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Nanou, dis-moi en commentaire à quoi ça sert. Et on a des strass rose pâle, la référence 605. Voilà, ma foi. C'est gentil de leur part, je sais pas à quoi ça va me servir. J'adore la petite tortue, le reste, bon, voilà. Alors, hop, hop, passons aux choses sérieuses. Alors, j'avais été déçue en regardant les vidéos, les premières vidéos qui sont sorties dessus, parce que en fait, c'est tout comme les pochettes de la société Cross Stitch, hein, c'était les pochettes de Joy Sunday avant. Donc, c'est exactement la même chose derrière. Donc, celles qui ont déjà découvert en avant-première, eh bien, elles connaissent. Alors, j'espère que je n'aurai pas de problème. Moi, il y en a certaines qui ont eu quelques problèmes. Alors, je vais... Déjà, c'est difficile à sortir. Voilà. Donc, nous avons la photo. Voilà. C'est du papier un peu épais, c'est super. Et alors, le patron, vous me connaissez, voilà, ça c'est les patrons que j'ai extrêmement du mal à toucher. Ça me fait des frissons. C'est du papier glacé. Alors, le patron lui-même, il est génial. Hein. C'est divisé en 6 cases. Alors, on a 1, 3. Là, c'est quoi? Là, ça doit être 4. Là, c'est 6.
je pense. Non, le Sicile est là. Et là, ça doit être l'autre. Enfin, voilà. voilà, voilà. Donc, voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est, voilà. Il y a bien 79 couleurs. Alors, tout en full stitch. Parce que j'ai vu qu'il y avait du back stitch aussi. Moi qui adore ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de backstitch. Alors, il y en a dans les yeux, je pense. Ouais, il y en a dans les yeux, le nez, la bouche. Je cherche ailleurs. Je pense que c'est que là. Parce que dans les yeux, il y a du bleu, du rose, du vert et du noir dans le nez. Donc, ça fait combien de couleurs? Ça, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 5 couleurs. Voilà, il n'y en a que dans le visage, en fait. Si je ne me trompe pas, je n'en vois pas ailleurs. Donc, heureusement, c'est juste pour marquer les traits des yeux, du nez et de la bouche. Voilà, regardez, il y a un beau, bel oiseau, là. Voilà, donc le patron est très, très bien. Par contre, j'ai extrêmement mal à le toucher, comme d'habitude. Voilà, et la toile, alors, c'est, j'espère qu'au moins pour la toile, ils vont faire un effort, parce que c'est vrai que quand j'ai vu les toolkit, j'ai été déçue. On a les petites cartonnettes toutes simples. Oh, il y en a trois hein, quand même. Avec le petit sachet et deux aiguilles dans un petit sachet zippé épinglé. Voilà. Alors franchement, au ras-le-bol, vous auriez pu mettre au moins un toolkit comme on en trouve dans certaines broderies. De nos partenaires, nous les youtubeuses qui en avons sur les partenaires chinois, eux qui nous mettent des toolkits avec le pompon, le découvite et tout ça, ça aurait été hyper sympa, je trouve. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de coton, si c'est du coton, parce que ça peut être du polyester. Il y a des jolies couleurs, alors il faudrait que j'essaye de détacher. Voilà, je vais enlever la petite... voilà, ça... Ah, il y a une couleur toute seule, d'accord. Voilà, il y a une petite couleur toute seule, là, le marron. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Vous avez dû déjà les voir, forcément, dans d'autres... voilà, j'ai pas besoin d'être ma main, on la voit sur la cartonnette blanche. Donc, vous avez ces couleurs-là. Ensuite, vous avez... ces couleurs-là, et alors celles qui sont belles, c'est celles-ci. Regardez-moi ça, là. Ah ouais, c'est beau les couleurs, c'est beau. Les couleurs sont belles, très belles. Alors, je vais remettre bien ça comme il faut, parce que je vais faire une préparation de toile, hein, vous me connaissez. Ensuite, on a ces coloris-là. Alors, il y a du vert quand même. Il y a plus de bleu, de rose, de... en fait, il y a un petit peu toutes les couleurs. Et de l'autre côté, vous avez ces coloris là. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est il y a beaucoup de coton, hein, forcément. Donc, eh bien, je vais avoir une préparation qui va durer très longtemps. Hier, j'ai préparé une toile, j'avais 36 couleurs. J'ai mis 2 heures, à peu près. Là, je ne sais pas combien de temps je vais passer. Alors... les cotons, ce sont hein, les trucs, c'est les mêmes cotons qu'on a dans nos kits, qu'on reçoit d'autres partenaires. Et, enfin, je ne suis pas partenaire. Hein. Et donc, on a 2 petites aiguilles, ils auraient pu en mettre un petit peu plus. Un toolkit, franchement, qui soit à la hauteur de Oraloa. Voilà. Alors, ensuite, la toile, très raide. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est raide? Elle est toute surfilée, oh, on dirait du carton. Alors, elle est très grande. Vous voyez, même là, ça, si voilà, comme ça, vous la voyez en entier. Elle est très grande et très raide. On dirait du carton. Mais elle est belle quand même. Alors, nous avons toutes les couleurs là, autour de la toile. Par contre, j'ai pas ma règle pour mesurer si c'est la... et puis, je me souviens plus des autres vidéos. Si c'est la... les dimensions, donc, c'est quoi les dimensions? Déjà, 40 par 60? Ouais, ça doit être ça, il me semble.
40 par 60. Donc, si c'est avec les bords ou sans les bords. Ah, il y a Jana à côté de moi. Là, vous voyez, je lui tire la queue. Ma chérie. Et... Mais c'est très, très, très... J'observe, hein. Je suis en train de regarder. C'est très... Comment dire, c'est du 11CT. Donc, déjà, c'est hyper clair. On pourrait croire qu'il y a du confetti, mais en regardant bien, il n'y en a pas. Je vais vous montrer d'ailleurs la toile de près. Voilà, donc là, vous avez la toile de près. On voit bien le visage, l'oiseau. C'est flou? C'est un petit peu flou, je trouve. J'ai essayé, mais je pense que c'était flou. Voilà, là, c'est plus flou. Voilà, regardez, c'est très, très bien marqué. Mais j'en reviens pas de la toile qui est extrêmement dure. Je crois que c'est la seule que j'ai eue aussi dure que ça. Après, j'espère qu'elle va s'assouplir parce que si ça fait comme du... Vous savez, ça fait un peu l'effet du 9CT. Non, c'est pas du 9, c'est du 6CT quand on fait les coussins. Ben, ça fait le même effet. Et je m'étais abîmé les... Comment dire ici, là, les phalanges. Je m'étais abîmée, mais bon. Voilà, donc je vous la montre entre le crépuscule et l'aube. D'ailleurs, ils ont mis entre le crépuscule et... Mais il n'y a pas l'aube. Il n'y avait pas la place. Voilà. Ah, il y a mon mari qui éternue. Voilà, hop et hop. Voilà, je me suis remis normalement. Donc, il va falloir... que je prépare la toile. Alors, je suis allée chez mon vendeur préféré. J'ai acheté une grande boîte cette fois-ci. Voilà, parce qu'il n'est pas question que je fasse la toile au fur et à mesure ou que je me serve d'un organisateur. D'abord, il en faudrait beaucoup. Mais par contre, avec les petites bobinettes comme ça, bah écoutez, c'est super. Donc, il m'en faudra 79. Dedans, on en a 100, mais c'est décartonné, donc je vais prendre des plastiques. C'est beaucoup plus solide. Et voilà, bah, il ne reste plus qu'à. Et ensuite, je testerai donc les broderies Oraloa. C'est vrai que la toile, elle est immense, quoi, quand même. Elle est immense, hein. Je crois que les deux autres toiles, il y en a une qui est revenue sur le marché, il y en a une qui est toujours en rupture, je crois. Elles ont une quarantaine de couleurs. Alors là, moi, j'ai fait fort, évidemment, mais dès que j'ai vu les trois, que j'ai vu les chaînes et tout, j'ai flashé sur celle-ci, mais c'était Oraloa. Et Oraloa, si vous me suivez depuis longtemps, je n'ai rien du tout de chez Oraloa. Et là, c'est du point de croix. Et le point de croix, je suis addict. Et donc, eh bien, il me l'a fallait. Mais j'ai vu sur la chaîne de Clara d'Épée, pardon, excuse-moi, Clara, qu'il y avait 79 couleurs, j'ai hésité, mais après je me suis dit, allez, et puis je me vois bien la faire, c'est marrant, on a l'impression qu'elle va se faire vite, pourquoi? Je sais pas, mais il me tarde de la commencer, le plus long ça va être évidemment de mettre sur bobinette, tous ces fils. Alors je trouve la toile, donc, pour mon opinion, hein, le comment ça s'appelle? Je trouve plus le nom. Aidez-moi. Je sais, vous me le criez dans les oreilles, mais j'entends pas. Le patron. Ça y est, j'ai entendu. Le patron, il est super bien. Voilà, le patron, c'est les vraies couleurs, en fait. Hein. Donc, c'est super beau. La pochette, je suis un petit peu déçue. J'aurais voulu que Oraloa, quand même, mette quelque chose à la hauteur de leur marque. C'est-à-dire un toolkit qui s'appelle un toolkit et peut-être pourquoi pas des fils de soie, ma foi, là ça aurait été vraiment le top du top pour la broderie de chez Oraloa. Voilà, mais là c'est déjà pas mal, je vais tester quand même, donc c'est la toile parce que les fils on les connaît, hein. Les fils c'est les mêmes, les aiguilles ben, c'est les aiguilles, hein. Voilà, et donc je vais préparer tout ça. Par contre, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo, je l'ai commandée payée lundi. Elle est arrivée aujourd'hui mercredi. C'est-à-dire que c'était hyper rapide. Ça, c'est bien. Par contre,
Vous payez le mondial relais plus que le mondial relais et les tarifs en fait. Et si vous voulez être livré à domicile, c'est 12 euros et des bricoles. Alors les frais de port, je ne les ai pas payés puisque Oralroi m'a mis tout de suite la ristourne Oralroi 15 parce que moi j'aurais voulu faire fonctionner Nanou par exemple. Eh ben non, j'ai eu Oralroi 15 de suite et donc du coup j'ai pas percuté et ça m'a fait la toile au prix où elle est sur le site. 40 euros en arrondissant, voilà, et je trouve quand même que leurs frais sont, ça dépend, de... et qu'il vous faut quand même 90 euros ou plus pour pouvoir avoir les frais de port gratuits. Je me demande si c'est pas plus de 100 euros, je suis pas sûre, hein. J'ai pas bien potassé le truc, mais bon, moi quand j'envoie des trucs qui pèsent le même poids, c'est-à-dire en dessous de 250 grammes, vous payez 4,95 € de boîte aux lettres à boîte aux lettres. Et vous payez, quand c'est plus lourd, vous payez 6 euros et des bricoles et 4,40 € en mondial relais. Donc là, franchement, on paye plus, ma foi. Mais bon, c'est des petits trucs que j'espère que Oralroi va améliorer. Surtout le toolkit. Le toolkit qui fasse quelque chose qui soit à la hauteur de Oralroi. Mais bon, je vais tenter. Et puis j'adore cette toile. Donc en fait, il y a l'artiste Maud Lamoine qui est rémunéré, donc c'est sympa. Et au passage, il y a Oralroi aussi qui se rémunère, je suppose. C'est normal. Et donc, ben, je vais la commencer. Je ne sais pas quand. Peut-être cet après-midi, je vais commencer mes bobinettes. Voilà. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour préparer ma toile. Et j'aimerais bien, je ne vais pas la remettre là-dedans. Les petits sacs, si je pourrais mettre dans les sacs de, dans les petites pochettes Action, je sais pas, je trouverai quelque chose. Et de toute façon, je reviendrai vers vous, bien évidemment, pour commencer peut-être la toile avec vous. Voilà. Eh ben écoutez, c'est ma première commande chez Oralroi de toute ma chaîne, de toutes mes 2 ans et plus de chaîne. Quand Oralroi est sorti, non, rien. Et là, bah écoutez, on verra. Voilà, mais j'espère qu'elle en vaudra le coup. Et je pense que je vous réserverai une petite surprise avec. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.